Alors bonjour à tous, ici Bob et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto PVP sur le guerrier fureur dans World of Draenor. Alors pour commencer, je vais vous montrer un peu les bases du guerrier fureur en PVP et ça va surtout se baser sur les talents du palier 45 que vous allez prendre, aussi les skills, tout ça, mais ça va venir après. Alors pour ce qui est du palier de niveau 45 des talents, en fait les deux plus importants sont mort soudaine et soif inextinguible. Frappe furieuse, ici je ne vais pas vous en parler tout court parce que je trouve qu'il n'est pas très, disons, utile en PVP. Alors les plus importants sont vraiment mort soudaine et soif inextinguible. Alors pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait ça va affecter surtout les compétences que vous allez utiliser le plus. Comme par exemple ici, ça va affecter sanguinaire et l'autre ça va affecter votre exécution. Alors je vais vous rejoindre tout de suite après pour vous parler de soif inextinguible, à tantôt. Alors pour ce qui est du talent soif inextinguible, ça va vous permettre d'utiliser votre compétence sanguinaire à tout moment, ce qui veut dire que vous n'aurez plus de temps de recharge avec celle-ci, et qui, je vous rappelle, sanguinaire, c'est votre principale source de rage avec le guerrier fureur. Alors pour ce qui est du cycle de DPS, je vais vous le dire, c'est premièrement, vous devrez rush votre sanguinaire, ben premièrement faire charge, et rush votre sanguinaire jusqu'à temps que votre barre de rage soit au maximum. Et pendant que vous allez rush votre sanguinaire, il y aura plusieurs attaques comme par exemple coup déchaîné et frappe sauvage qui vont proc. Et quand vous aurez votre barre de rage au maximum, vous pourrez les claquer et ensuite faire un gros DPS. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. En fait, je vais faire un petit exemple sur un mannequin. Regardez, premièrement, on va mettre notre cri de guerre qui augmente de 10% de puissance pendant une heure. Après ça, on va faire charge. Et on va faire notre sanguinaire jusqu'à temps que notre barre de rage, comme je dis, monte au maximum. Et vous voyez ici nos attaques qui proc, alors on fait coup déchaîné ou sanguinaire, peu importe l'ordre, on s'en fout. Et après ça, on fait ça jusqu'à temps que l'adversaire soit mort. Et quand votre adversaire a presque tout point de vie, vous pourrez faire votre exécution qui va proc. Ça va proc quand votre cible va avoir un certain nombre de points de vie, très très bas en fait. Et vous pourrez la finish avec ça, alors c'est très très bien. Sinon vous pourrez utiliser comme par exemple ici, pour tempo un peu, c'est bien, par le fil de l'épée, ça réduit les dégâts, par exemple ça part les attaques. Et si vous avez été mérité, que c'est un petit buff pour pouvoir augmenter un peu la puissance et tout. Alors pour les talents, les autres talents que je vous conseille avec, quand vous prenez soif inextinguible, en fait je vous conseille doublement, que dans le fond vous pourrez utiliser charge deux fois plutôt qu'une. Régénération enragée, dans le fond ça vous rend instantanément 10% de votre maximum de points de vie en 5 secondes. Après ça vous aurez onde de choc, je vous conseille, dans le fond ça va stun la cible pendant 4 secondes. Renvoi de sort de masse, ça peut être utile quand vous vous battez contre des lanceurs de sorts ou toute autre chose qui lance des sorts. Ici tempête de lame, vous tournez sur vous-même comme ça et infligez des dégâts autour de vous et des gros dégâts. Ensuite, vous avez soit briseur de siège, soit ravageur. Moi, je vous conseille un petit peu plus briseur de siège, mais c'est votre choix. C'est tout aussi bon ravageur. Moi, je l'aime un peu moins ravageur parce que, dans le fond, vous lancez votre arme et, par terre et ça va tourner sur elle-même et sur une zone d'immunité. Alors, j'aime pas beaucoup ça parce que faut que la cible soit dedans et la cible, c'est, alors elle va bouger de là et ça sert à rien. Le briseur de siège, ça va être un stun lui aussi. Ça va, vous allez renverser la cible pendant le tour, etc. Alors c'est tout pour le soif inextinguible, passons tout de suite à mort soudaine, tantôt. Alors pour ce qui est du talent mort soudaine va permettre à vos attaques automatiques d'avoir 10% de chance de faire proc votre exécution, peu importe les points de vie de la cible, et qui, je vous rappelle, exécution est une attaque très très puissante, mais qui ne marche que seulement lorsque votre cible a 20% de leur point de vie. Alors c'est toujours extrêmement bien, ça rajoute un gros DPS. Après ça, votre cycle de TPS, je vais vous l'expliquer. Vous allez faire charge, sanguinaire qui, faites-le quand vous le pouvez, dès que vous le pouvez, faites-le. Et sanguinaire aura toujours son temps de recharge de 4 secondes, pas comme avec soif inextinguible. Après ça, votre coup déchaîné va avoir proc, faites-le, et votre frappe sauvage aussi. Après ça, quand vous aurez fait ça, votre exécution va sûrement proc aussi, alors faites-la dès que vous le pouvez, ça va racheter un énorme DPS. Sinon, vous avez un autre show aussi de cycle de TPS. Vous aurez, ça va marcher surtout avec vos talents que vous aurez pris ici. Par exemple, vous allez faire charge en même temps de faire avatar et rugissement du dragon. Avatar qui va augmenter vos dégâts de 20% et avatar, non, rugissement du dragon, désolé, qui va infliger des dégâts et va faire tomber votre cible pendant 0,5 secondes à moins de 8 mètres.
Alors c'est très très bien. Après ça, vous ferez votre sanguinaire, votre coup déchaîné, comme je vous l'ai dit tantôt, et votre exécution. Alors vos dégâts vont vraiment être beaucoup augmentés, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces talents-là, mais je vous le conseille beaucoup si vous voulez burst. Alors je vais vous montrer un petit exemple sur un mannequin. Alors commençons premièrement à mettre notre cri de guerre, qui augmente les dégâts, faire notre charge, notre sanguinaire, ça, faire coup déchaîné. Et là déjà notre exécution up rock fait 49 000 dégâts, c'est beaucoup. Alors on peut mettre nos petits buffs ici. Après ça on fait notre frappe sauvage, notre sanguinaire, notre frappe sauvage ici up rock. Là on attend un petit peu notre sanguinaire, là ça va être autour de notre coup déchaîné de proc. Et ainsi de suite jusqu'à temps que votre cible soit morte et par exemple si on refait exécution. Alors pour ce qui est du l'autre cycle de DPS que je vais vous montrer, il faudra attendre un petit peu que notre rage baisse. Là premièrement vous ferez encore votre cri de guerre, vous ferez avatar et rejetement du dragon. Alors commençons. On fait ça en même temps, la pression qu'on fait de mon attaque. On fait beaucoup plus de dégâts. Là on attend que notre exec proc. C'est un petit peu long. Bon, c'est un petit peu long, désolé. Je crois pas pourquoi la proc, mais c'est pas grave. Ah bon, la proc. 61 000 de dégâts avec une exécution, c'est extrêmement beaucoup. Alors j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi et mon ami on fait des vidéos de League of Legends à peu près à chaque semaine ou presque. Et aussi on fait des vidéos de World of Warcraft. Alors moi je vous dis ciao, à bientôt.